tout le monde, amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment trop excité de vous faire cette vidéo. Et en plus, hein, je suis en compagnie du grand Robtech. Yo, oui, c'est moi, Robtech. Et alors là, Robtech, je viens de renfort pour cette vidéo. Parce que là, dernièrement, là, Robtech, en regardant tes dernières vidéos, on peut bien s'apercevoir que Ya Spooky a un très gros problème. Elle a l'air complètement possédée par cette fameuse Peach. Elle est, à vrai dire, sous l'obsession totale de la princesse Peach. Et alors là, moi et toute la communauté, on est prêt à apporter notre aide. On est prêt à essayer d'apporter tout notre soutien. Et oui, tu l'as très bien dit, Ya Spooky est totalement sous l'obsession de la princesse Peach. Elle fait tout comme la princesse Peach. On peut dire qu'elle s'est complètement transformée en princesse Peach. Et c'est ça le truc de fou. Bon, en fin de compte, c'est pas bien méchant, mais le problème c'est que ça lui cause énormément de chagrin. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'elle veut à tout prix organiser un date amoureux avec Mario. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, je comprends très bien la situation. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille lui rendre visite dans sa chambre, parce qu'elle a énormément de chagrin là, et elle reste tout le temps enfermée dans sa chambre. Mec, faut qu'on intervienne. Ouais, on va essayer de l'aider. On a que ça à faire. Et puis bah viens, monte à l'étage, hein. C'est à l'étage, hein. C'est comme d'habitude, les gars. Let's go. Alors, on compte sur vous pour mettre énormément de pouces bleus en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important. Bon, allez, Robtech, allez, on va intervenir. Allez, vas-y, viens, je vais toquer à la porte. Let's go. Vas-y. Et la princesse Peach? Vas-y, j'entre. Allez, c'est pas grave. Attends, vas-y, rentre. Y'a quelqu'un? Regarde, gros. Wow. Attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Viens. Je crois qu'elle est en train de jouer au jeu Mario Bros, là, regarde. Quoi? Mais non. Attends, mais non, c'est Mario Kart. Y'a Spooky? Non, moi c'est pas Ya Spooky, moi c'est Peach. Oui. Laissez-moi, je suis en train de jouer avec Mario là. Je vais bientôt gagner la course. Mais mec, elle est carrément matrixée à un point, c'est carrément ouf, Mais oui, regardez les gars, je suis première, c'est trop bien. Ya Spooky, Peach, il faut qu'on te parle. Est-ce qu'on peut te parler? Attendez, je finis ma course. Voilà, c'est bon, j'ai terminé, qu'est-ce que vous voulez là? En ce moment, on a un petit problème avec toi là, t'es tout le temps déguisé en Peach, alors que tu n'es pas la vraie Peach. Je pense que c'est très mauvais pour toi, Ya Spooky, quoi, tu vois ce que je veux dire non, ou quoi? C'est vrai ça, non? Non mais arrêtez, moi déjà, c'est pas Ya Spooky, c'est Peach, ok? Et arrêtez de dire que je veux m'incarner en Peach, parce qu'en fait, regardez, je suis blonde, et j'ai la couronne et j'ai la robe, donc c'est moi Peach en fait, ok? Oh là là, bon bah c'est comme ça depuis déjà des jours et des jours, hein. Bon courage, Team Spooky, pour résoudre la situation. Bon, Ya Spooky, ça suffit. Là, hein. Tu vas me retirer cette couronne, ce déguisement, tu n'es pas Peach, ok? Tu es Ya Spooky, allez! Ouais, c'est chiant à la fin! Quoi? Quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Et toi là, rends-moi ma couronne avant que je fasse du mal! Non, ça y est! Dépêche-toi! Rends-moi ma couronne! Oh. Voilà, maintenant vous allez me laisser tranquille! Allez, sortez de sa chambre, sortez! On n'en peut plus, c'est chiant à la fin, elle fait que de se prendre pour Peach. Mais là c'est foutu, non mais tu t'en es pris n'importe comment là, Sim Spooky. Fallait surtout pas faire ce genre de choses. Et bah maintenant bon courage, hein. Je crois qu'elle est énervée, elle est très énervée là. Ok, j'avoue que j'y étais un petit peu fort. Tu sais quoi, je vais retenter une deuxième fois. Cette fois-ci on va y aller plus tranquillement, hein. Vas-y, retente ta chance. Vas-y. Peach. Ouais, vaut mieux la faire Peach, hein. Ouais, c'est une bonne idée ça. Attends, écoute, je veux m'excuser. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore là? Qu'est-ce que vous venez encore m'embêter là, hein? Je viens te présenter mes excuses. Je me sens vraiment trop confus. J'aurais jamais dû retirer ta couronne, Peach. Je suis désolé. Ouais, c'est ça, excuse-toi. En vrai, moi j'en ai marre d'habiter ici. Je crois que je vais bien aller vivre dans mon petit château avec Mario. On va vivre comme dans un vrai conte de fées. Qu'est-ce que tu racontes? T'as vraiment pas de château? C'est ici que t'habites, Ya Spooky. Enfin, Peach, hein. Non, je possède un gros château. D'ailleurs, faut bien que vous me serviez à quelque chose. Vous allez m'emmener à mon château, ok? Oh là là, mais là, franchement, on aura tout vu, on aura tout entendu, hein. Qu'est-ce que tu nous racontes encore comme sornette, là, Peach? Non, je rigole pas, en fait. Vous allez vraiment m'emmener à mon château, parce qu'en fait, là, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, ok? Donc, si vous m'emmenez pas tout de suite, je vais être en retard à mon rendez-vous. Dépêchez-vous, là. Allez. On se dépêche, le temps passe, ok? Ok. Non mais Robtech, là, qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas là. Viens. Faut qu'on se concerte là. Je comprends pas, gros. Non, là, ça part loin. De quoi elle parle là? Non mais franchement, ça devient complètement abusé. Elle se prend vraiment, mais vraiment pour la princesse Peach dans sa tête là. Mec, c'est un truc de fou. Elle est en train de s'imaginer un château dans sa tête. Viens, on va essayer de la faire revenir à la raison. Viens, essayer de la raisonner. Ya Spooky, ça y est, tu vas arrêter. C'est pas Ya Spooky, c'est Peach, ok? Et vous allez m'emmener à mon château maintenant tout de suite parce que j'ai rendez-vous dans 10 minutes là. Depuis tout à l'heure, l'heure tourne. Donc on va y aller maintenant en fait. Non, elle est complètement folle. Non, mais reviens. Je sais pas de quel château tu parles. Mais ouais, c'est quoi le délire du château là? Vous inquiétez pas. Allez, on monte en voiture, je vais vous donner l'adresse.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Let's go. Oh, allez, bon bah je crois qu'on est bien obligé. Attends, je suis bien curieux de savoir où est-ce qu'elle veut nous amener, hein. Bah vas-y, viens. De quel château elle parle? C'est quoi ce délire? Les gars, ça me dépasse là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est cette mascarade? Reviens. Vous là, dépêchez-vous, j'ai les clés, on y va. Oh là, viens. Faut qu'on la retienne, vite. Faut la retenir, vas-y. Oui, viens. Hé, Peach, qu'est-ce que tu fais là? Non, redonne-moi les clés là. Non. On va se dépêcher parce qu'en fait mon rendez-vous il est dans 5 minutes là. Vous m'avez fait perdre tout mon temps là. Allez les gars, on y va, en voiture. Non mais quoi? Oh mais c'est une grosse blague là ou c'est moi là? Viens. Faut qu'on la retienne ou... Non mais quoi? Mais c'est quoi, reviens. Allez, un de vous deux il va conduire là et vous m'emmenez à mon château là. Quoi? Allez vas-y, on y va. Monte, en voiture. Je crois qu'il va falloir qu'on monte en voiture là les gars. Viens, rentre. Let's go, gros. Gros, c'est trop bien. Vas-y, démarre, on verra. C'est quoi l'adresse? Tu peux nous donner l'adresse? 5 rue de Rousseau. Non, mais ça, c'est sûr, c'est vraiment une fausse adresse là. Tu nous mens non, là. Non, tu mets sur le GPS 5 rue de Rousseau. Dépêche-toi. Ok, vas-y, je mets sur mon téléphone. Sur ton téléphone. Et puis, let's go, on va y aller, les gars. Allez, hop, ça y est, j'ai mis GPS. Allez, allons-y. On y va. C'est parti. Allez, dépêchez-vous, j'ai pas votre temps en fait. J'espère que c'est sérieux, hein. Oui, c'est vraiment sérieux. Je vais à mon château là, hein, ok? Let's go, mec, je suis au volant, gros. On est direction le château de Peach, gros. Allez. Hé, dépêchez-vous. Mario m'attend là. Il vient de m'envoyer un message. Hé, je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai un rencard avec Mario là. Donc je dois pas me permettre d'être en retard. Dépêchez-vous. Mets le turbo, toi. Dépêche-toi. Allez, je mets le turbo. Let's go. Hé, mec, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener, gros. Ouais, c'est vrai, ça, hein. Oh, ça me dépasse. Je vous avoue, ça me dépasse cette histoire de château, là, hein. Et j'espère juste que c'est vrai. Hé, j'espère que c'est vrai, quand même, ton histoire. Oui, on va à mon château. Et j'ai un rencard. Donc, vraiment, dépêchez-vous, là. Okay, je vais prendre retard. Ouais, t'inquiète pas. On est en route, les gars. Vous inquiétez pas. Hé, bon, bah là, les gars, selon le GPS, on est bientôt arrivé. Tu peux te garer juste là, ok? Ok, vas-y. Vas-y, Sim Spooky, tu peux te stationner. Je vais me garer, vous inquiétez pas. Voilà. Hop là, tranquille. Ok. Bon bah moi je vais à mon rendez-vous. Go. Merci pour la navette, hein. Et par contre c'est pas la peine de venir me suivre avec votre caméra et votre drone, ok, hein? Sinon ça va pas le faire. Oui, t'inquiète pas, on va pas te suivre. Tu peux y aller à ton rendez-vous, vas-y. Et maintenant tu peux y aller à ton château, hein. Nous sommes arrivés à destination. Allez, vas-y. Ok, bon bah allez, j'y vais. Allez, ciao. Non mais hey, tu reviens à la maison par contre, hein. Non, je reviens pas, je reste à mon château toute la vie maintenant. Non, attends, ça c'était pas prévu. Elle l'avait pas dit ça au début, ouais, hein. C'est clair, gros. Attends. Tu sais quoi? On va essayer de la suivre, ok? On va pas l'écouter, d'accord? Comment? En voiture? Non. On va envoyer le drone et on va la suivre. Dans la petite boîte à gants dans le coffre. Regarde. Là, mec, regarde. J'ai le drone, gros. On va pouvoir la suivre. Vite. Faut qu'on fasse décoller le drone. T'as raison. Il faut qu'on se dépêche avant qu'on la perde de vue. Allez, viens à l'avant et vas-y. Eh bon, bah ça y est, les gars, le drone est dans les airs. On va se mettre sur les traces de cette princesse Peach là. Non, on parle de Yaspooky. Ah oui, c'est vrai. J'avoue qu'il y a de quoi confondre, mais non les gars, on parle bel et bien de Yaspooky là pour le coup. Attends, regarde mec, elle est juste là. Ok, facile. Elle est au bout de la rue. Juste au bout de la rue, les gars. Elle se dirige sur un soi-disant château. Mais je le crois pas. Bah ouais, c'est vrai, de quel château elle parle? Je comprends pas moi. Franchement, c'est un château mystérieux, on va dire. Bon, de toute façon, je pense que celui-là, on va la suivre et ça devrait répondre à toutes nos questions. Ouais, j'ai bien hâte de savoir où est-ce qu'elle va nous amener. En tout cas là, je vois pas de château à l'horizon, hein. Moi aussi, hein. Aucun château pour l'instant. On va la suivre et on verra bien où ça va nous mener, quoi. Non, mais le gros problème avec Yaspooky, en fait, c'est qu'elle se prend pour la princesse Peach. Elle est complètement influencée, c'est ça, en fait. Elle est complètement influencée. Alors qu'en fait, c'est notre sœur Yaspooky, quoi. Attends, regarde. Où est-ce qu'elle est rentrée? Elle est rentrée par un portail. Elle est rentrée quelque part, ouais. C'est bizarre. Elle est rentrée par un gros portail. Oula. Alors ce serait ça le château? Ah ouais? Ce serait ici? Ah bah ouais, regarde, il y a une grande cour énorme. À mon avis, ça doit être le château, quoi. Celui-là, parce que là... Je vais la suivre... Attends, mais là, je le crois pas. Mais attends, regarde-moi. Il y a un énorme jardin. Et puis, essaye de la suivre. Il y a l'air d'avoir un énorme domaine. Oh bah ouais, regarde, il y a un énorme château, gros. Alors c'est là le château? Mais oui, en fait, je le croyais pas. Elle n'avait pas menti, en fait. Attends, mais elle se dirige vraiment dans un vrai château, la Robtech. Je le croyais pas, moi, ça, de base. Ah, mais moi aussi, mais regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le château? À mon avis, ouais, elle va rentrer. À mon avis, elle va rentrer, gros. Elle peut pas, c'est pas son château, c'est le château de quelqu'un d'autre. Je veux pas le croire, c'est pas son château. Oui, moi je te le dis, je veux pas le croire. Hey, non, mais c'est quoi le délire là? Ça part vraiment loin, par contre. Hein. Oh là là. Je comprends pas, mais. Oh, je crois qu'elle a vu la présence du drone là. Ouais, elle nous a vu.
fenêtre, elle doit savoir que c'est nous, c'est sûr. Ouais, à mon avis. Elle doit savoir que c'est nous. Ouais, ouais. Ça y est, on s'est fait cramer. Attends, mais c'est ton téléphone qui sonne là ou c'est moi là? Non, c'est ton téléphone. Non, c'est ton téléphone. Oui, oui. Ah ouais, attendez les gars. Oui, c'est ton téléphone. Bah ouais, là, il y a la princesse Peach qui est en train de m'appeler, les gars, regardez. Oh! Eh ben ouais, regarde, elle m'appelle, les gars, regardez. Il y a Peach qui essaye de m'appeler. Ouais, non, mais attends, qu'est-ce que je réponds ou pas? Vas-y, réponds. Tiens la télécommande, je vais répondre. Vas-y. Allô? 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 Ouais, vous là. Vous allez arrêter de m'espionner avec votre foutu drone là, parce que sinon ça va pas le faire. Vous n'avez pas le droit de m'espionner là. Depuis tout à l'heure, je vous vois m'espionner avec votre foutu drone là. Mais attends, poète. Et d'abord, on fait ce qu'on veut, ok? Bah ouais, on fait ce qu'on veut, ok? Vous arrêtez avec votre drone là, parce que là, vous allez tout faire foirer, ok? Non, on veut pas arrêter, nous. Non. Attends, petite question là comme ça. Là où tu te trouves, c'est vraiment ton château ou pas? Quoi? Non, je peux pas le croire. Non, mais moi. Quoi? Oh, elle a raccroché, mec, elle vient de raccrocher. Elle a raccroché? Aïe, vas-y, donne-moi la télécommande. Okay. Continue. On va pas la lâcher, les gars. On va continuer à la surveiller. Oui, c'est clair. Hein, attends, Lolo. Elle est en colère. Elle est extrêmement en colère. C'est un truc de ouf. Allez, regarde, elle nous demande de partir là. Tu vois, tu le vois bien ou pas? Non, faut pas partir. Oh. Eh, Spooky, faut pas partir, hein. Fais confiance, ouais, hein. Ouais, non, t'inquiète pas. Je suis pas bête, hein. Attends, mais déjà, j'ai quand même un doute. J'ai un gros doute. Je suis pas sûr que ce soit son château. C'est pas possible. Je sais pas. De toute façon, c'est pas possible. C'est bizarre, à mon avis. Approche-toi pour moi. Ouais, je vais m'approcher, attends, regarde. Ouais, elle rentre. Elle rentre. Quoi? Oh, et alors là, RobTech, je suis dépassé. Je sais vraiment plus quoi dire, quoi. Alors, moi, je suis comme toi, qu'est-ce que tu veux? Attends, mais c'est abusé, ça part loin, le délire là. Mais attends, elle vient quand même de rentrer dans son château. Mais c'est dingue, c'est dingue ça. C'est un truc de fou, mec. Oh là. Je peux pas le croire. Attends, mais du coup, attends, tu sais quoi, moi, RobTech, je vais pas lâcher. Je vais rester juste devant la porte. On va attendre qu'elle sorte, ok? Ouais, bah alors attends, bah, je pense que on va devoir attendre longtemps, un peu, non? Ouais, hein. C'est pas grave, hein. Moi, je suis prêt à attendre des heures et des heures, hein. Tant pis, hein. Ok. Comme tu le voudras, mais alors, donc du coup, ça veut dire qu'elle a vraiment un château. Ah ouais, non, mais là, le problème, c'est que je pense qu'elle reviendra plus jamais à la maison. Maintenant, elle habite au château. C'est fini. C'est ça le pire. En fait, le problème, c'est qu'elle se prend tellement pour la princesse Peach que là, je crois qu'elle reviendra jamais à la maison. Elle va vivre dans son château toute la vie maintenant. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'on va faire pour la raisonner, mais alors, elle ressort. Ah ouais, elle ressort, mec. Elle ressort du château. Oh lolo. Mais maintenant, là, par contre, espérons qu'elle revienne à la maison. Je pense pas, je suis pas sûr parce que habiter dans une maison ou habiter dans un château, moi je pense que c'est mieux d'habiter dans un château. Hein. Ah oui, j'avoue que c'est vrai, gros. Non, on aurait jamais dû l'emmener, on aurait dû refuser. On est trop bête, on est trop naïf, Robtech. On pouvait pas le savoir. On pensait que c'était totalement absurde, mais là pour le coup, c'est la réalité. Oui, c'est clair. Elle vit maintenant dans un château, gros. Mais que va-t-elle faire maintenant là? Je comprends pas. Franchement, je sais pas, mec. Les gars, dites-nous ce qu'on peut faire là dans les commentaires. Ouais. Là on a besoin d'aide. On a vraiment besoin de vous les abonnés, ok? Donnez-nous des idées en commentaire, hein. J'ai l'impression qu'elle essaye de décrire quelque chose sur le sol. Ah ouais? C'est peut-être pour nous faire passer un message, non? Oui, je crois que c'est ça, ouais. C'est peut-être ça. Ah oui, je crois que c'est ça. Ah bah attends, oui. Regarde, c'est marqué quoi? Elle a fait un M. Ah ouais. Un M comme quoi? Bah un M comme Mario, non? Hein? À mon avis, bah oui. Tu crois? Comme Mario? Bah oui, Mario. Ah je sais pas, à mon avis. Ah mais non, mais rappelle-toi, je sais. Quoi? Elle nous avait pas dit qu'elle voulait organiser un date amoureux avec Mario. Ah oui. Mais bah, oui. Ça veut dire qu'elle est en train de l'attendre, c'est peut-être, non? Elle attend Mario, je pense. Oui. Regarde, un A. Elle vient de faire le A. Ah bah M A Mario. Ouais. Hey. C'est sûr, c'est ça. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Continue à observer ce qui se passe. Ok. Ouais, attends, elle est en train de continuer à faire des marquages sur le sol, non? Intéressant. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle écrit Mario comme ça sur le sol? Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas. Peut-être pour nous faire passer un message. Ah, peut-être, c'est possible. Peut-être pour nous prévenir qu'elle attend Mario, non? Alors je pense que là, on doit s'attendre à l'arrivée de Mario. Ok. Ah oui. Intéressant. Mario devrait pas tarder à arriver, je crois. Écoute-moi bien, ce que tu vas faire, c'est pour avec le drone. C'est que tu vas survoler tout autour du château et on devrait forcément ne pas rater l'arrivée de Mario. Ok, y a pas de soucis, vas-y. Faut pas rater ça. Mario, c'est la rockstar, moi je veux te dire. Ah ouais, c'est clair. Hein. Faut pas rater. Et alors là, moi je me charge de faire tout le tour du château, t'inquiète pas. Exactement. Mais
Regarde-moi ce château magnifique. Franchement, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un très très beau château. Bah dis-toi que c'est le château de la princesse Peach, hein. C'est évident, c'est évident, oui, les gars. Non, mec. Et fais tout le tour, ok. T'inquiète pas. Attends, mais à ton avis, de quel côté est-ce que Mario pourrait faire son arrivée? Je t'avoue, je sais pas trop, mais bon, peut-être, attends. Peut-être côté parking. Regarde côté parking. Vas-y. Du côté du parking. Attends, imagine que Mario il fait son arrivée avec son petit kart là. C'est possible. Ce serait incroyable. Il vient, il se gare au parking et tout, tranquille. Attends, ça serait beau. Ça serait incroyable. Regarde, je vois pas. Il y a quelque chose là, non? Décale. Oula. Attends, essaye de zoomer. Attends, je vais m'approcher plutôt. Attends, il y a quelque chose là. Attends, zoom. Ouais, je vais m'approcher. Ouais, essaye de t'approcher. Attends. Regarde, c'est Bowser. C'est Bowser. C'est Bowser. Attends, c'est Bowser et il y a Mario là. Mais oui, c'est Bowser et Mario. Je crois que Bowser a capturé Mario. Non. Tu crois que Mario s'est fait attraper par Bowser? Oh, attends, regarde, il essaie de s'échapper en plus. Oh, Mario, il essaie de s'échapper. Ouh là là là, Bowser, cours, il est vraiment cours, très 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 énervé. Cours Mario. Oh non. En fait, ça s'est vraiment pas passé comme prévu, je crois là. Hein. Il vient de choper Mario. Ah non. Non, mais non. Je crois que c'est fichu là. Mais attends, je peux pas le croire. Mais ça va tout gâcher. Mais c'est clair. Mais mec, là, le rendez-vous amoureux est foutu. Mais oui, c'est ça le problème. Mario vient de se faire choper par Bowser. C'est fini pour lui. Non, c'est pas possible. Non, ça peut pas se passer comme ça. C'est un truc de ouf là. Non, mais à mon avis, là, la princesse Peach va être super triste. Bah oui. Oh là 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 là. Franchement, regarde. Que fait Bowser là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je sais pas, mais je sais. Trop chelou. Mais regarde, il y a une sorte de grosse cage. Non. Il essaye de l'emmener dans la cage, je crois. C'est foutu pour le rendez-vous amoureux avec Peach. Regarde, il l'a mis en prison. C'est clairement le pire scénario qui pouvait nous arriver là, je pense. Ah là 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 là. Bowser, il est vraiment méchant, regarde là. Il est trop méchant, il a pas le droit de faire ça. Il a vraiment pas le droit, ça se fait pas. Attends, donne-moi la télécommande. Regarde, il s'en va. Pauvre Mario. Je suis attristé. Mais ça se fait pas. Mais attends, le pire là, c'est que pense à la princesse Peach. Elle doit être en train d'attendre Mario. Mais Mario ne pourra jamais faire son arrivée. Il est en prison. Mais oui, c'est fichu. Il est en prison. C'est foutu. Enfin, le rendez-vous amoureux est foutu. Mario, il est en prison. Ah oui. C'est mort là, mec. Non, mais comment est-ce qu'on peut la prévenir? Peut-être qu'on peut l'appeler. Je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux pas l'appeler. Vaut mieux pas l'appeler. Déjà qu'elle était énervée contre nous tout à l'heure. C'est clair. Ça va rien arranger. Franchement, ça va faire que envenimer, je pense. Hein. Vaut mieux vraiment rien lui dire. Tant pis, c'est pas grave. Oh là là, c'est vraiment très très triste. Elle attend désespérément Mario. Mais il viendra jamais, quoi. Il viendra jamais. Nous, on le sait, mais la princesse Peach ne le sait pas. C'est ça le pire. C'est super tragique. Hein. Je pense que c'est vraiment vraiment trop tragique ce qui se passe là. Hein. Je m'approche tranquillement. Oula. Attends. Je crois qu'elle a l'air un peu triste, non? Là, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas là. Effectivement, elle a l'air très très triste. Je crois que c'est foutu là pour son rendez-vous amoureux. Hein. Regarde, elle est complètement énervée. Je crois qu'elle tape une crise là. Plus que ça, elle est complètement énervée pour le drone. Recule. Attends, vas-y, décale. Prends un peu d'altitude. Oh, mec, elle est carrément énervée là. Elle est en furie, gros. C'est un truc de ouf. Elle tape dans le drone. J'ai peur qu'elle atteigne le drone. Mais prends un peu d'altitude. Mais attends. Je crois qu'elle a chopé le drone. Oh non, je crois qu'elle a chopé le drone, gros. Là, j'ai vraiment pas géré, mec. J'ai pas su gérer. Elle a chopé le drone. Regarde, elle a chopé le drone. Regarde, on voit bien sa tête là. Elle est en train de détruire le drone. Je crois qu'elle est clairement en train de détruire le drone. Mais non. Quoi? Elle l'a jeté sur le sol. Non. Regarde, c'est une dinguerie. On la revoit partir. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce que tu peux refaire décoller le drone par hasard? Je sais pas, je vais essayer. Non, tu pourras pas. Non, tu pourras jamais. Je crois que c'est cuit là. C'est cuit, gros. Mais qu'est-ce qu'on fait, mec, maintenant? Dommage. Le drone est complètement retourné dans tous les sens. C'est fichu pour le drone là. C'est fichu. Oh là là. Le drone ça sert plus à rien là maintenant. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Oh là là, t'es en train de me dire que le drone est complètement hors service là? Ah bah oui, là mec, c'est fichu. Et puis d'ailleurs, je comprends. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas lui en vouloir. Hein. Elle est super en colère, elle est vraiment très 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 attristée. Ah bah ouais, c'est fini, gros. Je comprends. Je pense qu'il y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre plein de commentaires pour soutenir la princesse Peach. Ah oui, les gars, on compte sur vous. Mettez-nous un maximum de commentaires pour la soutenir. Hein. Attends, moi j'ai une idée. Ce que je propose.
propose dans les commentaires, c'est que vous mettez plein de cœurs pour la princesse Peach et plein de cœurs brisés pour Mario. Ah bah oui. Y a que ça à faire là maintenant. On compte sur vous, hein. On compte sur vous, les gars. Et puis sans oublier aussi, hein, de lâcher un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ah oui, c'est très important. Et puis là, je pense que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé, hein. Pour le coup, on peut le dire que ça se termine d'une façon un peu tragique, hein. Oui, j'espère tout de même que vous avez kiffé la vidéo surtout. C'est ça que moi je veux. Oui, j'espère que vous l'avez aimé, hein, quand même, hein. Bon, bah là, en tout cas, je pense que c'est terminé pour nous, hein. Pour le moment, hein. Pour le moment, hein. Ah bah oui. En tout cas, restez bien connectés, hein, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ouais, on compte sur vous. C'est important, hein. Bon, allez, sur ce, on vous laisse plein de gros bisous. C'était moi-même, HeroPTech. Ciao.